L'âme, elle va juste prendre ce mot-là et de le transformer en « je veux », V-O-E-U-X. C'est-à-dire dans le souhait, dans cette aspiration d'âme, dans cette volonté de grandir, dans cette volonté voilà, de pouvoir expérimenter, parce que et tous les bons passeurs d'âme, surtout ceux qui accompagnent en fin de vie, vous le diront. Qu'est-ce qui importe dans une vie? Ben finalement, la vraie question qui se pose, c'est comment j'ai aimé et comment j'ai été aimé. Il n'y a rien d'autre que ça, on part avec rien d'autre. Mais juste comment j'ai été profondément vivant à chaque seconde. Comment je me suis sentie voilà, dans cette vivance. Et c'est vrai que tout en permanence ben, nous amène dans l'ego, j'allais dire dans le triangle inférieur, où on est tout le temps en survie. Et là, tout ce qui s'est passé, tout ce qu'on a vécu ensemble, c'était ça. Et ce virus, je mets entre guillemets, magnifique, est arrivé, est juste venu dire, en termes d'humanité, on est malade. Il y a quelque chose là. Et on a été confrontés à quoi tous ensemble ? Ben, à la mort. L'âme, hors du corps. On n'est plus là. On est en train d'être dans des espaces-temps où on est comme les hamsters, hein, dans la petite roue, on consomme, mu par des désirs, de façon commune, on nous laisse dans ce triangle inférieur à nous faire croire qu'on a des besoins sans cesse. Et ce temps, cet arrêt sur image qui a été fantastique, nous a permis vraiment de faire quoi ? De faire un retour sur soi, d'avoir la possibilité de se reconnecter en fait à nos envies d'âme, avec tout ce que ça a présupposé aussi et toute la difficulté, parce que ça nous a obligés à revenir à une certaine solitude et surtout à être en face de nous-mêmes, de se regarder à l'intérieur et donc de se confronter à notre puits, à nos manques aussi. Ce qui était assez inconfortable, mais en même temps, vous voyez bien autour de vous, il y a plein de choses qui explosent. Tous ces chevauchements de temps, ça amène quoi ? Pour beaucoup, il y en a beaucoup qui découvrent leurs capacités subtiles, beaucoup qui se disent « mais c'est pas possible, je sens plein de trucs, etc. » Et voilà, et qui s'ouvrent tout d'un coup à tous ces espaces d'invisibles, mais qui a toujours été là, en fait. Ça, c'est pas plus qu'avant. C'est juste que les vibrations étant plus hautes, et ben la plupart des personnes maintenant commencent à capter. Et c'est simplement, vous le savez, hein, les capacités subtiles ne sont que le prolongement de nos sens physiques. Et donc tout ça a commencé à faire en sorte qu'on a pu commencer beaucoup. Une majorité commence à voir qu'il y a d'autres perceptions, il y a d'autres possibilités. En soi, pas de grand changement finalement, mais quelque part, ça a permis de faire un lien et de pouvoir commencer à percevoir les autres peut-être de façon différente et commencer à percevoir que l'autre n'est pas si différent. Et surtout, ça a permis quoi ? Ce retour sur image a permis de commencer à se poser les vraies questions que beaucoup d'entre vous vous posez depuis bien longtemps, mais c'est quoi le sens ? Pourquoi on fait tout ça ? Et surtout, aujourd'hui, à quoi je consacre mon énergie ? Donc, vous voyez bien que les sujets actuels, c'est beaucoup la reconversion. Reconversion, mais non, on ne va pas répéter quelque chose. C'est comment effectivement je converse avec moi-même et comment véritablement j'ose être ce que je suis et créer ce que j'aime. Et comment je renoue intérieurement avec mon pouvoir créateur, ce qui fait peur. Parce que si j'accepte véritablement d'avoir un pouvoir créateur, ça veut dire que j'accepte aussi ma responsabilité d'être. Et donc, qui dit responsabilité, ça veut dire assumer ses choix, ses décisions et ses actes. Ce qu'on nous demande en permanence. Sauf que tout a été fait pour nous maintenir aussi dans le fait de remettre son pouvoir souvent à l'extérieur. Donc, on nous dit comment on fait, etc. Et puis, quelque part, c'est pas forcément évident d'assumer ses choix. Et souvent, quand on entend responsabilité, on entend une charge derrière, quelque chose qui est lourd, ou de la culpabilité. Il faut. Non, c'est simplement, ok, je prends cette décision-là, j'essaye, je vois ce que ça donne. Ça marche pas, est-ce que c'est grave ? Non, mais voilà, aucun remords. Je reviens pas à quelque chose ou aucun regret. Et donc, c'est juste s'autoriser. Et c'est tout ce passage qu'on a vécu tous ensemble, c'est ça. C'est s'autoriser véritablement maintenant à sentir ce qu'il y a dedans, pour pouvoir l'exprimer à l'extérieur et oser agir, et agir, je l'espère, de façon collective, avec tous les élans de solidarité qu'il y a eu pendant cette crise, même si on est vite revenu à plein d'habitudes de consommation. Néanmoins, il y a plein de choses qui se sont passées. Et vous voyez bien, aujourd'hui, il y a beaucoup, même au niveau des entrepreneurs, beaucoup de choses qui se font pour, bien sûr, l'écologie, tous les écolieux qui sont en train de se monter,
toutes ces envies, voilà, de partager ensemble, de travailler différemment et de s'extraire en fait de tous ces dictats qu'on nous a imposés jusqu'à présent. Et donc, c'est véritablement accepter de sortir de ça. Et j'en viens donc au sujet des passeurs d'âmes, parce que c'est quoi le lien ? Il est là. C'est-à-dire que, comme je vous le disais au début, souvent, on a eu l'habitude, hein, très très souvent, de qualifier les passeurs d'âmes comme des personnes donc qui font passer de l'autre côté. Et là, la confrontation à la mort, eh bien, révèle une des fonctions du passeur d'âme, qui est de permettre en fait aux personnes de passer des caps, des changements, c'est-à-dire des petites morts. Souvent des petites morts de l'ego, mais c'est tous les passages de cap dans une vie. Donc un passeur ne s'occupe pas uniquement des personnes défuntes, mais aussi beaucoup du vivant. Et c'est pas oublier ça. Et les passeurs, vous en côtoyez tous. Et généralement, j'allais dire, dans leur marque de fabrique, ce sont souvent des personnes qui sont assez discrètes, des personnes très très pragmatiques. Alors on va voir, je vais détailler un petit peu plus. Mais souvent qui sont là à des moments charnières, en tout cas qui sont là, qui vous accompagnent dans votre vie, qui vont juste avoir le petit mot, qui vont toujours faire en sorte de pouvoir peut-être vous permettre de faire le lien, d'avoir une ouverture, de découvrir un nouveau sujet, de vous mettre en contact avec une personne. En fait, un passeur, c'est moi je le qualifierais comme ça, c'est une personne en fait de réseau. Bien avant Internet, il y avait les passeurs, c'est-à-dire comment je mets en réseau les uns et les autres, que ça soit pour des personnes, mais aussi pour des projets, pour des idées. Et en fait, ils favorisent, j'allais dire comme dans le cerveau, hein, avec les connexions neuronales, ils favorisent en fait le fait d'accélérer le mouvement et de faire en sorte que dans un espace-temps, ils créent des champs d'harmonie pour qu'il y ait les bonnes rencontres au bon moment. Et eux, ils sont juste là, gardiens de cet espace pour vous faire vivre ce que vous avez à vivre, sans essayer de vous donner des conseils, de se mettre à votre place, mais juste en retrait, mais en tout cas de garantir que vous puissiez vous connecter à vous-même et sentir ce qu'il y a de plus juste. Voilà, sans prétention, sans besoin de dire « oui, c'est grâce à moi hein, ». Ça serait bien sûr l'ego. Donc les passeurs d'âme, on les retrouve de plus en plus. Vous voyez qu'il y a un engouement exceptionnel, et tant mieux. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de gens dans leur reconversion qui veulent devenir thérapeute, coach. On sait les deux, hein. Coach, thérapeute. Alors c'est marrant parce que dans la fonction psychologique, on voit bien dans le côté thérapeute, il y a le côté prendre soin, il y a le côté permettre à l'autre de pouvoir travailler sur ses propres blessures, etc. Sur la fonction psychologique, ça rejoint le côté mère. Comment je prends soin de moi ? Comment je suis dans la bienveillance ? Comment je cultive la compassion ? Et donc, c'est permettre tout ce travail-là. Le côté coach, on est plus dans le côté père. C'est comment j'accompagne, comment je peux remotiver ma confiance, comment je peux me poser dans ma sécurité et comment j'ose avancer et faire les choses pas à pas. Hein, c'est le papa. Donc, quelque part, cet engouement qu'on retrouve, c'est aussi parce que les personnes en elles-mêmes sont en train de faire ce cheminement intérieur. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, à chaque fois qu'on fait un métier, on ne le fait pas par hasard, on le fait parce qu'on en a besoin. Et je peux vous en parler en connaissance de cause. J'ai exercé ces différents métiers parce que j'avais profondément ce besoin de faire ce travail-là à l'intérieur. Et aujourd'hui, dans la façon de définir un passeur, on pourrait dire que le passeur, c'est un peu la synthèse des deux. C'est-à-dire au niveau des polarités, c'est autant dans ce masculin et le père, et le féminin et la mère, c'est ce mélange des deux, c'est-à-dire, et c'est ce que je décris un petit peu dans le livre, en fait un passeur c'est un facilitateur, c'est le terme qu'on emploie en entreprise. Un facilitateur des possibles, un facilitateur de champs, un facilitateur de projets, et un facilitateur c'est quoi ? C'est quelqu'un qui garantit en fait un process et un processus pour permettre aux personnes ou à un groupe de trouver ses propres solutions et de reconnecter sa propre créativité et donc son pouvoir créateur. Donc c'est exactement ça. Et pourtant, le cheminement, il n'est pas si simple, hein, il faut un petit peu de temps. Et donc c'est juste de bien comprendre qu'un passeur, il est là pour pouvoir faire ses liens. Moi, j'appelle ça en fait des émetteurs d'énergie, des émetteurs de champs d'énergie. Donc, les passeurs, il y en a partout. Souvent, on les retrouve effectivement dans des métiers plus spécifiques. Donc, évidemment, en accompagnement de fin de vie, hein, on retrouve plein de personnes formidables qui font tout ce travail-là. Mais c'est aussi à l'accueil des âmes qui arrivent
Donc tout ce qui va concerner la naissance, voilà, de ces êtres, voilà, qui reviennent faire un petit tour en se disant bon, alors quoi de neuf ? Voilà, sachant que de l'autre côté, le passeur, lui, il va avoir plein d'états, hein, intérieurs au fur et à mesure de son cheminement. On le verra, hein, c'est une de ses grandes blessures. Il a une nostalgie de l'ailleurs qui est exceptionnelle. Je vais y revenir. Mais juste pour expliquer les différents passages de cap et ce sur quoi le passeur travaille. Donc, tous les passages de cap, ça va être l'adolescence, ça va être aussi quand je deviens jeune adulte, et puis bien sûr, tous ces passages de la vie, hein, où quand on est adulte, quand on mature, les deuils, les ruptures, les non-sens, toutes les différentes crises, hein, à 30 ans, ras-le-bol, maintenant je sais ce que je veux plus. Hein, donc je vais bosser. Et puis on arrive souvent à cette fameuse crise de la quarantaine. Alors c'est pas à 40, hein, ça peut être bien avant. Hein. Moi je connais plein de jeunes personnes qui font déjà leur crise de la quarantaine à 18 ans. Donc il n'y a pas de souci. Et tout s'accélère. Tout s'accélère extrêmement vite. Mais c'est aussi, et voilà, dans le cheminement de l'âme, on va dire de façon habituel, il y a plusieurs étapes. Il y a d'abord toute la constitution de l'ego, c'est-à-dire tout ce qui va nous permettre d'avoir cette personnalité de surface et pour nous permettre de comprendre en fait qu'est-ce qu'on est venu travailler. Donc c'est à peu près jusqu'à la trentaine, hein, où tous nos différents corps vont commencer à se constituer. Le corps mental termine de se constituer vers 21 ans à peu près, et puis après il va y avoir toute l'expérimentation, 21-28 ans. On arrive à 30 où on se dit bon, globalement ça je veux plus. Donc on va tout faire pour se différencier véritablement. Et il y a eu toute la période avant pour s'individualiser. Et puis à partir de là, et ben, tout doucement, on commence. On sait ce qu'on veut plus, mais il serait temps de savoir ce qu'on veut. Et ça, c'est pas si simple. Donc on regarde tout le temps à droite, à gauche, et comment je me définis par l'extérieur. Jusqu'à arriver à cette fameuse mission de vie. Mais quelle est ma mission de vie ? Et là, la réponse est terrible. Il n'y en a pas. Il y en a une, il y en a 15. En fait, la mission de vie, c'est mission de vie, c'est vivre. C'est juste être. Et j'aime bien prendre cet exemple, vous savez, de ce fabuleux dessin animé, qui s'appelle Soul. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Où on voit voilà tout ce cheminement qui explique très très bien, hein, le cheminement de l'âme, où toutes ces petites âmes qui vont faire un tour pour savoir quelle mission de vie, les talents, etc. Et hop, ils redescendent et puis hop, c'est comment ils vont se connecter à ça. Et il y en a une qui est réfractaire, qui veut pas. Non, je descendrai pas. Non, ça m'intéresse pas. Tout essayer. Et en fait, ça nous montre déjà l'étape d'après, c'est-à-dire pas besoin. Ça, c'est pour l'ego, hein, de se dire, pour se reconnaître, pour prendre confiance, etc. Il y a un moment. Voilà, c'est juste descendre, et ce qu'elle aime, cette âme, c'est juste être. Elle va goûter un bout de pizza, de la pizza. Alors, pizza, c'est bon, quand même. Je parle pas du gluten et tout ça, mais juste le goût, et revenir par la saveur, par le goûter. Et elle s'émerveille de la lumière, elle s'émerveille voilà, des arbres, des feuilles, de la luminosité. C'est juste ça, c'est juste se rappeler qu'on est profondément vivant, et avec cette vivance, on fait quoi ? Et on en revient, et ça va être tout le sujet. On veut savoir. Et cette quête de vérité, elle est légitime puisque l'âme aspire à quelque chose. Et heureusement que notre ego est là pour nous motiver. C'est trop génial. Et ça, je veux comprendre. Et je veux comprendre, voilà, tout, avoir cette connaissance. Mais comme je le dis souvent, vouloir savoir, c'est complètement légitime. Et ça fait partie du chemin. Voilà, mais vouloir savoir, c'est humain. Savoir aimer, ça, c'est divin. Et tout notre travail, ça va être d'apprendre comment je peux mettre ce M au cœur de ma vie. C'est-à-dire un M, j'aime, et comment je deviens mon propre maître. J'aime, aime, être.